Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette que je vous propose, c'est comment je fais mes ailes de poulet. Voilà. J'ai un barbecue sauce avec poulet, ailes de poulet qu'on vend dans les fast-food là. Donc pour en savoir plus, on y va. Là, pour débuter la recette, j'ai pris les ailes de poulet que j'ai nettoyées. Je vais aussi assaisonner avec mon assaisonnement de barbecue qui est disponible sur ma chaîne. Ah. En fin de vidéo, vous aurez les différentes informations. Comment vous en procurer. En premier commentaire, je vais laisser mon numéro épinglé. Ici, sur le poulet, je vais rajouter des oignons. Mon assaisonnement de barbecue. De l'huile. Voici qui était bien mariné. On va laisser reposer toute la nuit. Ou quelques. Bon, j'ai laissé reposer pendant 2 heures. Ici, dans une plaque, j'ai rajouté de l'huile. Je vais disposer mes ailes de poulet. Puis les enfourner à 180 degrés, le temps qu'il faudra. Ici, de côté, pour ma sauce barbecue, j'ai pris de la sauce barbecue. Du ketchup. Excusez-moi. Un peu de miel. On va mélanger tout ça. Excusez-moi, moi je vis au bord de la voie principale là, donc c'est vrai qu'il est 4 heures, mais le véhicule à la fenêtre est ouverte. Mon poulet, mes ailes de poulet qui sont bien dorées. On va passer à l'étape suivante. Je vais renverser mon poulet dans. Bien mélangé, bien mélangé. Voilà, c'est prêt comme ça. On va dresser, on s'est dit à tout à l'heure pour le résultat final. On va accompagner d'un peu de petite sauce. Sauce barbecue, ketchup. Et mayo. Ok guys, voici le résultat de mon plat. Donc si tu as aimé cette petite vidéo là, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux aussi activer la cloche de notification. On se dira bye bye. Elles ont abaissé mon ketchup là partout. On va commencer à bouffer. C'est trop bon. Très bien assaisonné comme ça. Oh non. Ok les amis, ici voici à quoi le pack de mes produits vont ressembler. J'ai le cancancan, le passe-partout, le barbecue, la volaille, la viande, le poisson. Ah, ce sont les épices là. Ici aussi j'ai un sachet de piment fort au cas où vous aimeriez bien épicé comme moi. J'ai une petite cuillère là qui va vous accompagner pour le service. J'ai quelques cartes de visite, une carte de remerciement. Derrière le produit, vous avez un petit sticker là. Si ce n'est pas sur le produit, c'est sur la carte de remerciement.
Ici, voici mon bouillon d'assaisonnement bio. Ça, c'est spécialement pour les sauces. Voilà.